cesse à lancer un stream. Comme je vais me marier dans Feu Feu 14. Avec Anna. T'as bien mangé? Je suis en train. Je l'ai lancé au moins, oui. Je l'ai lancé le stream. Oui. Si, il y en a une nouvelle normalement. Ah non, il semblait qu'il y avait une nouvelle emote, une nouvelle position. Oh, ça, ouais, coucou les gens, coucou Lulu. Et j'ai aussi. Bah, Lulu, j'ai eu aussi un Moogle postier comme pet, mais bon, le chat est beaucoup plus mignon. Salut Pétrole, salut Luminico. Moogle, j'ai lequel? Moi j'ai le postier, c'est sûr. On est avec une carte. Que du coup Julie m'a offert avec la pluche. Mais le chat il est trop fort. Trop mignon le chat. J'espère que c'est à peu près lisible tout ça. J'ai pas mis ma caméra parce que je suis en train de dîner en fait simplement. Yes, RVG, I don't believe in such nonsense. Ah, Lulu, je veux le gros chat en peluche aussi. Je sais pas s'il existe par contre. J'ai vu des mini carbuncles, oui. C'est vrai que t'as le même à la maison, Anna. Hein, ouais. Je peux changer ça, Luminico, parce que de toute façon, là, j'ai pas. Ma cam est pas très importante. Hop, voilà. Et je mets ma gueule quelque part, mais comme je dîne, je l'ai retiré. Bon. Hmm.
Officiellement 9h. Je sais pas du tout s'il faut aller s'avancer devant la porte ou pas. Je pensais que Vinok viendrait. Il semblait qu'il avait été invité. Bah. Quelqu'un qui vient visiter. Merci ZF. oui Anna, on a qu'à y aller. Bien l'animation, le mouvement des Lala. On marche. Bon, je suppose qu'il faut lui causer. Ouais. Et bah du coup, on va pouvoir y aller. Ah, d'accord. Et bien, on a. Je vais devoir retirer les gants que j'ai. Sinon on ne verra pas la bague. Dommage, je m'étais embêté à faire des gants tout beau. Il a donc traîné. De toute façon, j'avais déjà préparé ma tenue, hein, bien sûr. Bonsoir, Sean. À savoir que j'ai même le dessous et tout qui a été teint et tout de la bonne couleur pour aller avec. Je me suis embêté. Mais bon, c'est un peu la robe quand même qui est plus intéressant ici. Hop, on va lancer. De toute façon, on avait préparé les mêmes settings. On dit que c'est pour la nuit, là, ça. De toute façon, les settings, c'est ceux d'Anna. Ah ouais, je me souviens, Anna, c'est toi qui avais mis les settings. Là. Hop. Avec la traîne derrière. Du coup, on peut sans doute lancer la suite plutôt qu'attendre 20 minutes pour. Comme on est prête.
Ok, c'est dans les key items. Alors j'ai encore mon Book of Netherfall, hein, alors que j'ai le Sphere Scroll, tout à fait logique. On va chercher. On va aller à Medieval. Normalement de mon pétrole. Ni en Belzébuth ou Satan qui arrive pour enlever la princesse. C'est le gros chat qui a porté les alliances, non. De mémoire, c'est un Moogle qu'on avait pris. Ok, ben il faudra que tu acceptes aussi pour que ça lance le départ pour toi. Ah, la traîne, trop bien. Trop mignon. Merci Sean. Bonjour Ness. Je me suis bien embêté hein, pour la tenue. J'ai à peu près tout remixé. Hein. Ouais, Nordaz, il y a un vrai rituel. En plus, on a pu choisir vraiment complètement tout. Là, par exemple, le fait qu'on ait le thème FF derrière, c'est un choix. Après, j'étais un petit peu déçu quand même de choix de certaines musiques qui proposé, genre il y a les thèmes très martiaux des villes par exemple, qui étaient un peu moyen. Ouais, en gros, Nordaz. Sauf qu'on est du même sexe, du même genre, comme vous préférez. Ouais, sans embêter, hein. Mais c'est cool. Non, Nordaz, faut une invitation. Du coup, on avait le choix entre trois cérémonies différentes, trois présentations au milieu, plusieurs façons de partir, etc. Qui faisait quoi, les couleurs, les thèmes, etc. Donc là, on a choisi
Rose et blanc. Du coup, je vais prendre 20 milliards de screens. Hein. Si vous entendez des bruits de photos, c'est moi qui screen 20 milliards de trucs. On avait le choix entre un mec pour... mec, meuf ou Moogle pour... C'est un mien, on a pris un Moogle. C'était plus mignon. Qui un invité qui c'est là. Est-ce que j'en ai gardé d'ailleurs? Oui, c'est bon. Ce sera pour la fin de la cérémonie, ça d'ailleurs. Je me doute que j'ai pas pris d'objet. Hein. Pour célébrer. Mais si, 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 j'en ai pris. Lolo Malon qui nous envoie les. Les petits feux d'artifice. Mais ouais, c'est joli comme tout. Merci Anneli. Hop là. Ok. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place dans mes bagues, tout va bien. Augmenter un petit peu le volume de FF14. Voilà. Et ça fait rapport en fait à la quête qu'on a faite du coup pour débloquer le mariage. Il a fallu du coup faire forger l'anneau. Tout de même. Encore une fois, je vais screen 20 milliards de trucs, donc si vous entendez le... l'appareil photo, c'est normal.
complètement noirdaise. J'assume à fond. Trop tard. Non, je le recorde pas, mais de toute façon, j'ai. Mais bon, je le prends sur Twitch. Ça je dirais à l'Ismaël. J'aime bien, c'est que du coup il y a des divinités qu'on a. Je sais plus ce que c'est celle de. Anna, je crois que c'est l'érudit. La mienne c'est The Lover, Benfina. Deux anneaux pour les gouverner tous. C'est mieux que dans la présentation où ils mettaient un couple hétéro lambda d'humains. J'ai pris 20 milliards de screens. Ne pas balancer des boissons par terre sur les tapis, hein, vous êtes sûr? Allez hop, on en fout partout. Y'a pas de problème. Je suis pas seul. Je crois que le malon également. Il l'a reçu. Du coup. Non, c'est pas éteint. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est l'équipé. Où est-ce que je fais ce bisou? Voilà, en vrai. Sinon, je peux faire un tue l'amour. Voilà. J'ai cette emote. Bonne chance pour l'avoir. Ouais, mon chat qui roule par terre. Oui, trop mignon. J'aime beaucoup celui-là, le champagne. J'adore la tête hilare qu'elle fait.
Ce champagne partout. Mignon les confettis. Oui. J'aime bien qu'ils se sont embêtés à faire tout ça. De le customiser autant. Allez, prends-le, voilà. T'as ta queue qui dépasse, ça merde. Ah, c'était moi qui conduisais, je croyais que c'était toi qui conduisais. Hey Maria! Ah, pétrole, on s'est embrassé quand même. Et du coup, on a la monture. Maintenant, c'est une monture à deux qu'on a récupérée grâce au mariage. Non, ça va être après quand on échange l'invitation. Et j'arrose tout le monde. De toute façon, j'en ai plein. C'est pas ce qui manque.
vraiment génial cette animation. La tête hilare en train de balancer du champagne partout. J'avais pas vu le pâte. Ah oui, d'accord, c'est un Demon Box. D'accord, je connaissais le Demon Brick, mais pas le Demon Box, tiens. Et que j'en fous partout sur les costumes et les robes. Y'a pas de problème. Je crois pas que j'ai beaucoup d'autres choses à balancer en l'air dans mon bazar. Des pétales partout. Bon. Il y a un reste à Western. Un reste à Western. Bon. Un gâteau. Ah, des ailes. Mais oui. C'est pas la classe. Du coup, moi je l'ai récupéré de mon côté. Ouais, choco de cérémonie. Waouh. Une question c'est est-ce qu'il vole? Non, il est terrestre. Remarque, ils me disent que tous sont terrestres alors que. Gary vole, hein. Même mon chocobo. Je
plus si c'est qu'il se lève ou qu'il se couche à cause de tel sol. Techniquement, il est à l'est, donc il doit se lever. On va à Costa del Sol pour ceux qui... Ah, ça me tait. Si, il est là. Ah, il y en a un qui a la monture Twin Tania, d'accord. Ouais, c'est un mur de chocobo, hein. Lolo malin. Oui. Oui. Bravo. Ouais, évidemment, il fait brumeux, sinon ça serait pas drôle. Le malon qui sort les tenues du mal. Attention, hein, je peux le faire aussi. Hop. Je peux tirer le bas par contre. C'est un peu ridicule. Il y a des petites bottines avec les nœuds derrière. Trop mignon. Oui, il peut pas forcément venir à Costa del Sol, c'est niveau 17, oui. Il est bon. Bon compter, bon penser. Ouais, ça y est, il fait jour. Malheureusement. Et toujours brumeux, qu'on ne verra pas le lever du soleil. Sur Costa del Sol, hélas. Un peu de lumière dans ce monde de brut. Voilà,
la Sea of Clouds. Si on peut voler un peu. Je peux essayer de me téléporter normalement la personne, je sais pas quel est le cooldown par contre. Ah, il peut pas voler, ouais, c'est ce que je me disais justement. Ce serait trop facile. Une princesse, ça suit. Ça vole sur un dragon. Sea of Cloud, sans doute une des zones les plus belles du jeu, sans hésiter. A bit Maria, yeah. Thank you. Et ouais, elle a un gros pio. Je trouve génial le fat chocobo. Ah, pas juste quand ça passe. Ouais. Wow. Un petit loup. Ah, il va voir sa tête. Ah, il arrête de bouger. C'est mignon. Mais... Ah, quand même. J'ai du mal à target les trucs parfois dans ce jeu. Faut que je clique en plein dessus. En même temps, c'est grand, hein, Sea of Cloud. De toute façon, toutes les régions, hein, l'extension sont gigantesques. Ah, il commence à faire brumeux aussi, c'est pas vrai. Décidément, la brume nous poursuit. Tu fais gaffe, Anna, il y a ta robe qui se soulève un peu à l'arrière de façon hein, physiquement impossible, mais c'est pas grave. Ah, pardon.
Putain, des tortues, oui. C'est malin. C'est Bruno ici aussi, décidément. J'adore la musique de Tadalan. Salut Euro, merci. Regarde où tu vas, Anna. Bayou, princesse. J'aime beaucoup l'effet argenté sur la robe, elle est vraiment très cool. C'est gentil. Merci beaucoup. Mal partout après hier soir. Non, vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé hier soir. Mais ouais, du coup à Burning Wall, il y a des endroits très très cool, en bas notamment. Ouais, la route est toujours chiante à trouver par contre pour savoir où il faut aller. Ah, on s'est fait aggro, mon dieu, mon dieu. Ah. Bon, toi t'es en combat mais pas moi, avec le niveau 50 et moi 56 là avec cette classe là.
Tout en bas de Burning Wall, avec la cascade et tout. Juste là-dessus, sur ce petit pont. Ah, ne pas le dire. Voilà, parfait. Trouver le soleil un jour, ouais. Quel endroit joli, hein, parce qu'on a fait le temple et non, parce que c'est là où on a fait le mariage. Ouais, Yoru, c'est un peu dommage, quoi, mais ouais. Et c'est le Ryudo, excuse-moi, je l'avais pas vu. Merci. Quel endroit est-ce qu'on pourrait avoir? Ah, t'as tout le carré cordana, parfait. Le coin de la Great Library de Raven Island. Bon, c'est un coin un petit peu. Rito, oui. On peut dire ça, quoi. Un pauvre rock. Ah oui, la cabane. Il y a de la brume ici aussi, décidément. Et ouais, tout au nord-ouest, après les coeurs, enfin après le coin où il y avait les coeurs, là, il y a des singes et il y a une cabane très sympa. Par contre, au nord-est, c'est les mines, c'est insupportable, on se rend dans la FF11.
Faut regarder la route. Oh, joli. Les bugs de caméra à travers les murs. Pour ça, oh la fatigue. Ouais, la cabane de l'ermite, quelle on peut monter d'ailleurs. Pas forcément connu, mais on peut grimper au mur de la bibliothèque pour monter. Et je m'en souviens, j'ai encore plein de screens de ça quand on était venu ici. Par contre, c'est toujours brumeux. C'est bon. Coucher tôt ce soir, je sens. Hélas, oui. Un peu dommage pour la brume. Mais ce coin est très joli, certains endroits est plus agréable du jeu, je trouve. J'espère que le chat va pas se noyer. Par là. Voilà. C'est quoi cette loisie? Non. Non, c'est pas Stagger. C'est lequel? Dose. Comme assez marrant les proportions des Lalafels par rapport aux humanoïdes. J'ai une tête énorme. C'est un peu comme les. Mais les Tarou de FF11 de toute façon. En même temps, ils sont basés dessus, donc ça aide. Les Tarou sont encore plus grotesques, entre guillemets. Shire, parce qu'il n'y a pas de téléporteur au Winterland. Si tu parles au Goodly Adventurer ici, Anna, ça te téléporte directement dehors.
Où est-ce qu'il est mort, Léo? Ah oui, d'accord, en plein milieu de la ville. Allez, monture Twintania, quoi, bordel. Elle va aller à pied du coup. Ouais, bon, ça se fait rare, quoi. Par définition, un peu. Aïe! Par contre, les crawlers niveau 58. Hein. Remarque, j'ai toujours ma robe en Dark Knight, donc ça va. Et ouais, j'ai prévu le coup. J'ai la robe en Dark Knight. C'est pas beau ça. Ah, d'ailleurs, j'ai lu, Anna, que les astrologues étaient devenus le meilleur healer du jeu là, avec l'update. Vous avez pris un up. Donc, genre, il y avait un sort qui était un peu inutile qui est devenu beaucoup plus utilisable. Mais je connais pas hein, du tout. Hein. Je connais pas du tout le gameplay astrologue encore. Ah, ah bah voilà, bon, Anna l'a fait, parfait. Le macro pour ça, c'est mieux. On n'est pas pour les Bérancs. C'est pour ça que je me donne l'intimité, ça c'est bien. Ça se tient le nu. Il a tellement pété astrologue, mais ça m'étonne pas. Cyrus.
Première relique, le Tyrus, quand même. Avant, c'était les healers du jeu, maintenant c'est pire. Bah oui, c'était un peu ce que j'avais lu, hein. C'était un peu... Déjà, aussi qui apportait le plus de... Le meilleur mix entre heal pur et utilitaire. Alors maintenant, c'est encore mieux. Voici la grande bibliothèque. C'est celle d'FF5, oui. Avec les mêmes boss dedans. Et une musique jazz trop cool dedans. C'est pour moi, c'était le meilleur donjon de cette extension, là, celui-là. On ne meurt pas des chutes hein, dans ce jeu, donc... Je vole. Non, je regarde pas sous ma robe. Je vole. Ah, quand même tout chien qui faisait chier, enfin, le jeu. Petite grotte cachée avec cascade dans cette zone aussi. D'accord. On va en dire un peu. Merci à Yoru. Merci à jouer. Il y a encore de la brume. Punaise. Hop là. Et la brume nous aura suivis dans toutes les régions. C'est pas mal. Ouais, tiens, sympa, je la connaissais même pas celle-là. Ah, effectivement, c'est joli comme tout. Et que chaque qui se roule, parfait. Par contre, c'est toujours brumeux, même à 4h de l'après-midi. J'ai qu'un tireuse. J'aime beaucoup Tyrus, je le trouve vraiment très joli. Façon Oli, voilà, plus beau sort du jeu.
D'accord, oui, t'as en plus une bulle, quoi, de ce coup-là. C'est craqué. Il y a la base qui marchait comme flair, qui prenait tous les MP. C'est un petit peu critique pour un white mage, on va dire. Ah, pas mal, HV, merci. Parce que moi j'avais pas vu, j'ai pas mis ça sur mon chat hein, ce soir. Je connais pas du tout le gameplay astrologue, Anna. C'est juste que voilà, ça fait. Que t'as un truc pour faire des bulles et un truc pour faire du heal pur, mais à part ça, je ne sais pas trop. Et visiblement, les gens disent que le meilleur combo pour l'instant c'est White Mage et Astrologue. Régène plus réduction de dégâts, punaise. Mais voilà, ouais, tu peux rien faire pendant ce temps-là, mais c'est pas grave, c'est un deuxième heal derrière pour supporter et faire du heal pur. C'est assez génial pour supporter les dégâts de raid. The Bowl! Ah, ça va être la nuit in-game. Bientôt. Ah, voilà. Là, la musique nocturne. Parce que la nuit tombe à 6h du soir dans FF14. Et le jour à 6h du matin. Comme dans FF11. C'était exactement la même chose. Je ne suis pas dépaysé du tout. Donc il y a un autre truc joli à voir dans ce coin. On peut attendre le matin, mais ça va durer une demi-heure. Un petit peu long. Ah. En tout cas, c'est sympa ici, la vue sur l'ancienne ville. Sur Alexandre. Car oui, c'est Alexandre, si vous connaissez pas FF14. Alexandre est là. Un refresh sur quelqu'un d'autre, tu peux faire? Ça refresh plus que le mien. Ouais, le mien. Ouais, c'est un refresh de 80. Qui est pas mal. Ça, pour ça, le Scholar, c'est vraiment très bien. Par contre, pour la gestion de la mana. Scholar, t'as tellement l'impression d'avoir la mana infinie. Plutôt de jamais savoir comment dépenser ta mana, c'est plus exact. Bon, après, le problème en Scholar, c'est que t'as l'impression de rien healer, hein, comme il fait les protections.
Mais c'est très cool ce coup-là. Ah oui, si en plus ça se booste, c'est pas mal, effectivement. Ouais, bah comment scolaire quoi. On a le temps, enfin, de se lever à 7h du soir. Mais bon, je le montrerai astrologue, je le montrerai astrologue, je vais y arriver un jour. Ah oui, c'est qu'une petite parcelle de terre là-bas paumée, là, où il n'y a rien. Et puis à quoi elle servait? Peut-être pour plus tard, mais. Là-bas sur Eagleshire, mais c'est un peu dans les bornes. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. C'est épuisé ça. Et l'astrologue a l'air vraiment très bien. Je vous montre comme j'aime beaucoup les îles. Pour être sympa. Là c'est un peu dommage parce que j'ai monté Dark Knight, mais je suis pas si fan que ça. Je préfère Paladin en fait comme tank. Grave.
C'est quoi, j'aime bien juste me poser comme ça. Ouais, les tests sont durs. Coucou Yoshi Fruit. Ouais, Yoshi. On l'a fait, là on est parti se poser dans des coins sympas, simplement. On sent la fatigue. Ah bah ça, le brouillard, on en a eu un. Ultros. Je l'ai chopé, Ultros. Ouais, je l'ai, Ultros. J'ai aussi Gilgamesh. Mini Gilgamesh. Et j'ai Enkidu. Très important, Enkidu. Et bien sûr, le Fat Cat. Des fesses. L'inénarrable Fat Cat qui est absolument génial. Ça fait mal. J'aurais dû le retirer plus tôt. J'en ai plein, et des pets trop mignons.
Et le petit rat qui est mignon, simplement. Et le garçon qui est adorable comme tout. Donc il peut se poser sur la tête. Ah, le faon, il est trop mignon, le faon. Demon Baby, donc ouais, c'est le Infant Imp qui est. Il est chiant, s'il va faire une grosse grosse quête de zone, vraiment casse-couille à faire hein, pour le débloquer avec sa grosse couche. Hein, que j'ai trop retrouvé complètement. Qui comprend dans son FS design là, une brique démoniaque. Une brique avec des ailes qui se cassent la gueule, qui tombe sur le côté. Je le trouve incroyable, ce design. Une brique démoniaque, ok. Et là, je sais même plus d'où je les sors. Le mimique, par exemple. Je sais même plus d'où il vient. Ah. Une des meilleures, c'est la succube. Ah, je l'ai pas, celui-là, le Puff of Darkness que Anna est là. Par contre, j'ai la succube. Et pareil, elle vient se poser sur la tête, la succube. C'est trop mignon. Guerrier de lumière qui est pas terrible, Onion Knight qui est rare à avoir aussi, les scénaristiques Alfino, Sid et. Mince, comment est-ce qu'il s'appelle? Hildibrand, c'est ça. Celui-ci qui est le Delivery Moogle que j'ai avec la peluche. Bonne soirée Lulu, des gros bisous et merci d'être passé aussi. Puis il y a la petite Nanamo. Nanamo, j'adore Nanamo. Peut-être mon PNJ préféré des FF14 Nanamo. J'ai une boule qui vole, ça aussi c'est une petite quête à faire. Les petits mamettes. Le gobelin. Ah oui, celui-là est très drôle aussi. Bon, celui-là tout le monde là, parce qu'on l'a avec juste le temps d'abonnement. Un curseur de Final Fantasy. Qui fait du coup au bas, exactement comme un curseur de Final Fantasy. Ils sont vraiment éclatés. Hein. J'aime beaucoup le principe. Mais ouais, j'ai pas trouvé, mais voilà, ils se déplacent comme ça, curseur de menu quoi. Plein de petits chocobos. Plein. Le petit champignon, il est cool aussi, il est mignon. Mais là, tout le monde les a. Hein. Le petit puck. Une quête aussi pour l'avoir. Ils ont tous des gueules toutes mignonnes, quoi. Mais ouais, le Fat Cat, par contre, je dois dire, c'est. Je vais ressortir la succube qu'elle se pose sur ma tête. Toi, elle se pose sur l'épaule, du coup, Puff of Darkness. Ouais, le Puff of Darkness, c'est le Cloud of Darkness en fait, le boss de FF3. Qui est plus vert, qui est toute blanche la mer. Et la pluie. Après la brume, la pluie.
Et quand t'étais là, ça se pouvait sur le tatouage, je sais. Moi, j'ai fait pareil quand j'étais en. En Aura, ça se mettait sur l'épaule. Et voilà. La mignonitude. Une fois de plus. Bah, je Bretagne Nord, c'est un peu ça. La pluie, la brume. Il manque plus que l'alcool, enfin on a déjà sorti le champagne, mais. Oh, je fais le bisou, on ne sait pas. Et au moins, on va à la ville maintenant. Bon, oui, il est Churning mist, on peut espérer qu'il fasse un peu plus beau. Je comprenais bien que tu le plaisantais, tout de même, voyons. Beaucoup de musique ici aussi. Pour moi, il n'y a plus de brumier de pluie. C'est quoi? C'est orageux? Oui, d'accord. Ça, c'est orageux du coup. Ce thème, on l'a énormément entendu quand on montait les persos. L'île en forme de cœur, je sais plus du tout. Mince.
encore quelqu'un sur le site chat se faire avoir par la blague du Hobdog. En forme de cœur, c'est un blizzard. Effectivement. Et pas sur la map, d'accord, je savais même pas. Bat Island Churn Mist. For an interesting island, the Sea of Clouds. C'est pas Sea of Clouds plutôt? Un post-credit, je vais voir ça. Ah oui, non, c'est celle qui est en forme de Moogle. Effectivement. Peut-être dans les commentaires. Ah oui. This is a little heart island. The bigger island is the left side of the map. It looks like a baby chocobo. C'est a priori c'est pas ici, c'est le Tassie of Clouds. Voilà. Il y a aussi l'île en forme de cœur. C'est pas Channing Mist. Ah oui, on la voit en forme de cœur. Il y a un rank A. Ah loulou. Wouah, trop mignonne la photo loulou, c'est mignon. Ah, je vais la garder. Ah, elle est en forme de cœur avec un autre cœur dedans. On s'en suppose, on se fait gros. Ah oui, c'est un peu 59, effectivement. Je fais un dossier wedding, ça sera plus simple. C'est un jeu diplômé. Merci Lolo. Ah, niveau 59, ça fait un peu. Même au niveau 60, on se fera un peu. Allez. La queue du cœur. Pas de lock target dans
Il me semble pas. C'est ça. Ouais, c'est dommage. Ah oui, elle est là-haut, ouais. D'accord. Je sais pas si elle a souri sur la capture. J'imagine que. Ah, si, on la voit. Ça se voit avec l'antenne, de toute façon. Du bonheur quand tu débloques le vol partout, une fois que tu l'as fait, ça fait oh, tellement du bien. Avant ça, c'est tellement chiant. Magie de l'oncle optimisé. Il y a plein de coins comme ça dans Roux, je trouve vachement sympa, des champignons volants, des petites grottes à des certains endroits complètement planqués. Ah oui, on va voir un beau vélo, ça il prend le coup, oui.
Un peu nuageux, mais joli comme tout quand même. Avec le Bing Peppers. Effectivement. Voilà, et hop, la lumière. Et la musique qui change. Le lensflare, bien sûr. C'est important, le lensflare dans les jeux vidéo. Il y avait un autre coin à côté de Dilshire, non? Dans l'Interland, que tu voulais me montrer. Thank you.